J'ai dit vous êtes intelligent parce que je me réfère à ceux qui ne comprennent pas l'existence de ce grand Dieu. Ce Dieu le vit, il donne vie à tout être sur la terre. Les hindous, lorsqu'ils ont les bébés, Alice. Lorsqu'ils ont des bébés, qu'est-ce qu'ils font? Ils le voient d'huile comme signe de protection pour les protéger contre les mauvais esprits. Ils font toutes sortes de rituels douloureux pour protéger leurs enfants. Mais nous, lorsque nous avons des enfants, nous savons que c'est Dieu qui nous la donne. Qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens? Nous regardons vers le ciel pour lui dire merci pour l'enfant. Mais nous avons une certaine responsabilité. Dieu vous a donné cet enfant Goël, Elisha Goël. En vous donnant cette responsabilité, celle de grandir son cet enfant dans la crainte de son âme. En passant, je suis là pour vous dire que l'enfant ne vous appartient pas, vous êtes que des gardiens. Elisha appartient à l'Éternel. Elisha appartient à l'Éternel. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en retournera pas. Je te présente ce garçon, cet esprit. Je te prie d'étendre ta main sur lui. Je te prie de le couronner, de l'entourer. Je te prie de repousser de lui toutes les forces du mal. S'il a une maladie cachée dans son corps que personne ne sache, immédiatement je te parle maintenant que cette maladie soit disparue. Notre Père bien-aimé, bénis-le. Le jour viendra, il sera un diacre à l'église. Le jour viendra, il sera un ancien, il sera un pasteur. Le jour viendra, il sera quelque extraordinaire pour la communauté. Nous comptons sur toi, béni, dirige. Or, sur toi, donne la force à Alice ainsi que Joël pour qu'ils puissent rester attaché à toi et qu'il soit capable de transmettre à cet enfant toutes les informations qu'il faut. Écoute, béni et dirige, nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen.